Cette émission a été enregistrée à la boutique Two Barn House à Hudson et a été rendue possible grâce à la participation du restaurant Olivia situé à Vaudreuil-Dorion. Comme chaque soir, juste devant moi, tu viens t'asseoir. Tu poses sur la scène quelques fleurs pour m'offrir ton cœur, tout l'amour de ton cœur. Une chambre d'hôtel au petit jour. Il faut se quitter, ton cœur est lourd. Je ne peux te laisser que mon sourire et les souvenirs. Oh, je dois partir. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Ce n'est que rêve, l'ombre de rêve. Ne me demande pas pourquoi l'amour s'achève. Ce n'est que rêve. Passera sur notre histoire. Ton nom restera dans ma mémoire. Mais l'amour, c'est souvent comme les chansons. C'est une illusion, rien qu'une illusion. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Ce n'est qu'un rêve, l'ombre d'un rêve. Ne demande pas pourquoi l'amour s'achève. Oh, je t'en prie, ne m'en veux pas. Ce n'est qu'un rêve, l'ombre d'un rêve. Ne me demande pas pourquoi l'amour s'achève. Depuis lundi, je couche dans le salon, puis ça donne mal en maudit. Y'a plus rien à faire, on s'est tout dit. Mais quel ennui! Ça me donne le goût de retrouver
les joies de vivre en toute liberté. Je me rappelle si bien de nos belles années. D'antan, on ne faisait pas que cohabiter. Je crois qu'entre nous, c'est vraiment terminé. Ah, c'est la pagaille. On peut plus vivre comme ça. Oh non, fini la chamaille. Fly, fly, et je ne reviendrai pas. Yes. Faire à l'idée, on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Ça vaut plus la peine de pouvoir penser que tout va s'arranger. Et maintenant, ce que je dois faire, remettre de l'or dans mon cœur à l'envers et de reprendre cowboy solitaire, partir au loin en nouveau célibataire. J'ai l'heure de commencer à pacter mes affaires. Maestro! Ah, c'est la pagaille. On peut plus vivre comme ça. Oh non, fini la chamaille. Recevoir mon cher ami David qui de retour à l'émission En route vers l'Ouest avec un nouvel album. Oui, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être avec vous autres. Ben, ça fait plaisir. D'être avec la belle équipe que vous êtes. C'est super. On a du fun. Super. Et donc, justement, parle-moi de ton équipe, du nouvel album que tu as lancé dernièrement. C'est un album, tu sais, contrairement à, les gens me reconnaissent un peu plus dans les chansons sentimentales, un peu plus. Tout le monde connaît aussi bien ta drive. Plus en spectacle. Ouais, ouais. Mais sur disque, j'avais pas vraiment fait encore d'album qui déménage un peu, qui se retrouve presque en totalité sous l'album, des chansons qui bougent. C'est un album qui sonne l'été. C'est un album qui nous fait bouger, puis que, tu sais, j'ai un yodel là-dessus, j'ai tout ça. J'ai composé 7 pièces sur cet album-là. Toute seule? J'en ai une que j'ai co-écrit avec Jonathan Godin, le texte. Mm-hmm. Et j'ai deux chansons de Jonathan Godin qui a composé tout seul. J'ai une chanson de Carole Renaud, puis j'ai deux covers qu'on appelle, si vous me permettez l'expression, là, du réchauffé qu'on dit. Ben oui, certainement. C'est ça. J'ai repris une chanson de Joël Bizier que j'aime beaucoup, L'oiseau sauvage. C'est une autre belle plume de la musique country. Oui, puis j'étais allé fouiller un petit peu dans le vieux stock aussi pour faire une autre chanson pour ramener des souvenirs aux gens. Ça s'appelle « Sur ce vieux rocher blanc » de Paul Brunel. Mm-hmm. C'est justement un album bien accrocheur qui nous parle un peu de toi, de ce qui se passe dans ta vie aussi, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Puis un petit peu aussi dans ce qu'on vit avec les gens qu'on aime. Tu sais, pas nécessairement des choses que moi j'ai vécues, mais j'ai des gens que j'aime en entour de moi qui m'inspirent dans la vie. Comme qui? Comme mon oncle, que j'ai écrit ma chanson de retour que j'ai faite dans l'émission. C'est sûr que j'ai des amis, tu sais,
comme la pagaille. J'ai plein d'amis. Mais parle-moi-en la pagaille, justement. Ben, c'est-tu parce que, bon, t'as arrêté de travailler. C'est, ça a-tu rapport avec ton ancien travail? Non, ça, c'est Bye Bye Boss. OK, oui. OK. Bye Bye Boss, c'est des gens qui ont écouté à un moment donné au cœur du country, mm-hmm. qui est avec Connexion Production, oui. qui sont les mêmes productions que Pour l'amour du country. J'ai fait une émission, qui sont venus me filmer, je travaillais dans l'hôpital, je travaillais à l'accueil. Puis, à un moment donné, ben conflit d'horaire avec les spectacles, la tournée, puis tout ça. J'ai dû prendre une décision. J'ai dit, je travaille-tu pour les fonds de pension ou je travaille dans ce que j'aime, tu sais? Parce que si jamais j'allais mourir demain matin, est-ce que je veux mourir avec des fonds de pension en dessous des pieds ou je veux mourir dans ce que j'aime? Parle-moi de tes projets à venir. Tu as eu des spectacles pendant tout l'été. Ouais. Là, l'année prochaine, ben, tu t'enlignes justement pour continuer ta série de spectacles. Ouais. Mais il faut savoir aussi que toi, tu organises des soirées et que ça va vraiment bien. Ça me sidère que tu n'as aucune publication pendant... Le spectacle est dans un mois. Même pas annoncé à moitié, mais tu as tellement fait tous tes téléphones parce que tu es comme le Gaspésien qui est connu dans tout ton gros village. Même à Montréal ou que ça soit dans n'importe quelle région, on dirait que tu rejoins vraiment... ton public, sais-tu... À Montréal, t'étais là justement, t'as, t'as animé ma soirée. C'est pas facile faire de la production. Non. Parce qu'en même temps, t'as toute la charge de donner le spectacle aux gens puis de présenter tes nouvelles chansons puis tout ça. En même temps, mais c'est l'approvisionnement du bar, c'est la publicité, faire des tickets, essayer de remplir cette salle-là. Mais t'es un gars de terrain, ça se voit. Puis, regarde... Je les ai encore. En tout cas, le public, il était fidèle. Puis les gens t'aiment, David. Je te souhaite une belle continuité parce que t'as tellement le talent. Pour moi, t'es une des plus belles voix du country. Puis ça, je le dis haut et fort. Merci d'être là. Bien, merci, Véronique Labbé. Sous le soleil des tropiques, on est-tu bien en vacances? Ça coûte cher, mais c'est magique, le restant s'en balance. J'ai ma guitare acoustique pour chanter sous les palmiers, faire découvrir ma musique. J'ai commencé à yodeler. Ça passe toujours trop vite, on voudrait plus s'en aller. Malgré tout, il faut qu'on quitte, j'ai le droit de rêver. Juste avant de faire nos valises, on s'est tous rassemblés. Et en se faisant la bise, je me suis mis à yodeler. Yodeler, 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 yodeler. Oh,
1, 2, 3. Me réveillant au bout du quai, je ne voulais pas m'en aller. J'ai demandé à Dieu vouloir m'aider. Et pourtant, je savais bien, mais je n'entendais rien. J'ai dû prendre le large pour revoir mes lendemains. Je suis de retour à la entendre raison qu'on ne joue pas avec la vie, car ici-bas rien nous appartient. J'ai compris aujourd'hui. À haute marée, même failli souvent me renverser, seul au monde dans mon bateau pour traverser. En partant, j'avais fait mon choix, c'était de me rendre chez moi avec l'espoir de revivre une autre fois. À la maison, il m'a fallu tout ce temps pour entendre raison qu'on ne joue pas avec la vie, car ici-bas rien nous appartient. J'ai compris aujourd'hui qu'on ne joue pas avec la vie, car ici-bas rien nous appartient. J'ai compris aujourd'hui, car ici-bas rien nous appartient. J'ai compris aujourd'hui. Première fois à l'émission En route vers l'Ouest. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien toi, merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir vraiment. Tu nous viens de loin, Rivière-au-Nord. Oui, Gaspésie. T'es natif de là. Ouais. Dans tes vacances, tu nous rends visite et tu viens de nous parler de ton deuxième album en carrière. Exactement. Par contre, c'est un premier album avec des chansons originales. Absolument, absolument. J'ai travaillé avec Paul Larèche sur celui-là. Il m'a composé 5 belles chansons originales. Oui, d'ailleurs, Salut Lamouni, qui est comme une chanson qui fait bien sa place là, sur les oui, radios. Oui, oui, ça fonctionne bien. Salut Lamouni, c'est une toune qui bouge. Mm-hmm. Puis c'est une toune d'été un petit peu, je pense. Oui, oui, certainement. Et donc, la famille d'Arèche, c'est d'ailleurs un impact dans ta carrière pour la belle continuité qui beaucoup, va. Là. Beaucoup, beaucoup. J'ai passé mon enfance à écouter toute la famille d'Arèche, puis là, j'ai la chance d'avoir une amitié avec eux autres, de pouvoir travailler avec eux autres. Fait que c'est sûr, c'est un gros impact, c'est sûr. Parle-moi de la rencontre que tu as eue avec eux pour que justement, il y ait cette belle chimie-là. Ben c'est David, c'est mon ami David. David Bernatchez? Oui, qui m'a présenté ces gens-là. Puis on a développé un lien d'amitié
comme ça, en 2013. Ouais. Et donc, Paul Darèche t'a écrit des chansons. Est-ce qu'il s'est inspiré un peu de ta vie courante ou il t'a proposé des chansons? Comment ça s'est passé, là, justement, pour qu'il puisse t'offrir quand même 4-5 chansons? C'est le fun? Ben écoute, c'est le fun. Il y en avait déjà d'écrites, oui? qui m'a proposé, mm-hmm. que j'ai accepté. Puis, il m'en a écrit une juste pour moi. J'ai envoyé un courriel avec un petit peu l'histoire de ma vie. Uh-huh. Puis, Paul, c'est un excellent auteur-compositeur. Ouais. C'est l'enfer. Fait qu'il a pris ce texte-là puis il m'a fait une belle chanson. J'ai toujours aimé chanter. Je pense qu'il n'a pas réalisé aussi l'album. Il a réalisé l'album. Effectivement. Ça, c'est une belle occasion pour toi aussi. C'est peut-être même un rêve d'enfant. Absolument, absolument. C'est tellement facile de travailler avec Paul, avec l'expérience qu'il a de studio, de coach. C'était merveilleux. Donne-moi justement des petits trucs qu'il t'a donné, là, le mentoring là, qui peut t'avoir apporté. De bien prononcer, de prendre le temps de bien prononcer ses phrases, la justesse des fins de phrase. Tu sais, c'est ces choses-là. L'intonation, fois, ouais. Et justement, par rapport à ton premier album, suite quand même avec une belle collaboration comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu vois la différence par rapport à ça? Bien, c'est sûr qu'en travaillant avec ces gens-là, puis j'ai travaillé avec Pageur Communication, c'est sûr que ça t'emmène à d'autres niveaux, à d'autres places. Fait que c'est vraiment génial. Moi, je trippe là, j'aime ça. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour faire justement un premier album? On parle de ton album de cover qui a été le premier pas pour toi dans l'industrie de la musique country. Tu as décidé de continuer ta carrière. Ça a été quoi l'élément déclencheur, là? Bien, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé faire de la musique. Puis, je voulais faire de la scène un petit peu partout. Puis, c'est sûr qu'en connaissant David puis les Darèche, bien, ça m'a poussé à aller plus loin. Fait que l'impact est vraiment là. Tu sentais que la porte était vraiment ouverte. La porte pour était toi. Ouverte, oui. Et d'ailleurs, je sais que ton père aussi t'aide beaucoup dans ta carrière. Tu as une belle chimie avec lui. Oui. Tout ça va de bon train. Et bien, t'es ici avec nous autres aujourd'hui. Bien, oui. Puis, on écoute ta content. Musique. Merci beaucoup d'être là cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à toute ton équipe. Au plaisir des fans de la musique country. Dans toutes les villes, il y a le soleil qui nous dit bonjour et qui nous réveille. Salut la nuit, bonjour la vie. Je reviendrai, j'en suis certain. Des paysages me tendent la main. C'est beau chez vous, c'est beau partout. Et c'est plus les jours pour faire pousser l'amour sur la route du retour. Dans ta mon ami, c'est pas toujours rose dans la vie. Dans tous mes voyages, j'ai vu des visages qui me souriaient, d'autres qui pleuraient. Salut l'ami, moi je m'en vais. Et c'est plus des jours pour faire pousser l'amour sur la route du retour. Ce matin, revivons les jours passés il y a longtemps, revoyons mon père, ma mère et puis les enfants.
tambours marchant dans la plaine avec ma guitare en main. Voilà la 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 rito, qu'il pleuve ou bien qu'il fasse beau, retournons toujours ici. Un oiseau passe, s'arrête et s'envole et puis marchant dans la plaine, je refais le même chemin. Et je me console en pensant au lendemain. Je rentre chez moi et je dors jusqu'au matin, pensant au lendemain où je serai peut-être. Marchant dans la plaine avec ma guitare en main. Je refais le même chemin. Et je me console en pensant au lendemain. Je rentre chez moi, je dors jusqu'au matin, pensant au lendemain où je serai peut-être. Marchant dans la plaine avec ma guitare en main. Marchons dans la plaine avec ma guitare en main.